Bonjour à tous, aujourd'hui du golem, parce que le golem c'est la vie, c'est la meilleure carte du jeu évidemment d'après un sondage universel. Aujourd'hui, Zozo nous présente ce deck là, et bienvenue à toi Zozo. Merci de l'invitation. Merci à toi hein, du coup de t'être proposé pour du golem, hein. Ça fait toujours plaisir évidemment de voir du golem. Donc c'est un petit deck de ta création, de ce que j'ai compris? Oui, enfin j'ai copié de base en TV Royale et j'ai copié d'autres potes. Top top top. Du coup, tu nous as fait, des petites victoires en super défi. Hein. T'as été chaud bouillant. Donc, tu nous as partagé quelques replays qu'on va aller voir et après on fera un peu de live. Alors, pour toi, quels sont les match-up bons avec ce deck? Les match-up bons, je dirais en gros les ça aide bien contre le spam breach. Ouais. T'as quasiment tout pour défendre. Contre le bélier électro, cava bélier, t'as la cage gauche contre les souris. Après, contre les molosses clones aussi, Ouais. beaucoup très vite, et ouais, les méga gargouilles, tu les cycles vie. Puis Sur les nerfs, la c'est sorcière de la nuit est pas trop mauvaise non plus hein, dans le match-up. C'est ça, ouais. Poison aussi. Il a rien pour la gérer, quoi. Yes. Donc là, t'es contre le fameux Mortar Cochon Séisme, un deck qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est ça. C'est pas un mauvais match-up, ça, non? C'est ok, non? Le match-up, en vrai, je pense que c'est du 60-40 pour lui, parce que mon golem, si mortier défensif, il passe jamais. Et soit je pose en mortier pour qu'il passe, soit je pose en mousquetaire, sauf que bah, si je pose en mousquetaire, elle m'embête pas. Ouais. Il a Quand sorti c'est comme ça, si par exemple il part en mortier offensif et que t'es en x1, tu vas faire quoi? Bah là tu vas voir vu que c'est un deck. Mon golem aussi, faut dire c'est pas un... enfin, ce deck c'est pas un deck que tu vas passer sur des gros push. On voit beaucoup de golems qui essaient de péter à la tour et gratter pas mal de. Ouais, On l'a ok. battu au jeu. Ah il joue bien, hein, il part de l'autre côté, il te force un Miwiz là-dessus. Et là pourquoi j'ai mis l'électro dans le deck, parce que l'électro il est enfin, meilleur que le bleu dragon. Tu préfères l'électro au bébé dragon, c'est ça? Franchement, ouais. Franchement, dans pas mal de cas, c'est. C'est pourquoi? Pour les dégâts, pour la réactivité, pour. Dégâts, ça ralentit les troupes, ça reset les TDE, les dragons de l'enfer. Ça tue les chauves-souris quand tu l'envoies. Enfin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai très très peu joué des versions de Golem avec l'Electro Wizard, mais ça reste une très bonne carte de support qui peut bien rentrer dedans, hein, carrément. L'avantage principal du B-Dragon, je pense, enfin il y en a deux, c'est qu'il vole et sur les tornades il est plus efficace, mais là vu que tu joues pas tornade. Hein... Ouais, voilà, j'ai pas tant. Ok, donc là il remet un mortier défensif, toi tu vas gratter au poison. T'as déjà mis des gros dégâts ici, hein. Ouais, les deux côtés, ouais. Là il va partir en cochon à droite pour essayer de t'empêcher de paralyser Golem, donc tu vas devoir cache Goblin, mais potentiellement tu auras C'est quand même ça. le temps de remettre Golem devant. Ah, ça va être short. Ça va être short quand même, ouais. Je crois pas que je le. Ouais, tu mets derrière, mais t'as raison. Par contre, du coup, le mortier, tu vas être obligé de remettre une sorcière de la nuit s'il en pose un offensif, donc il devrait en poser un offensif. Ah non, il le fait pas, ok. Mais il le pose pas. Je pense qu'il veut le garder pour la défense Ouais, du je golem. comprends. Mais là, t'as poison, t'as la sorcière de la nuit, t'as déjà. Tu vois, ce push-là, il va être très très dur à défendre pour lui. Hein. C'est ça, ouais. Juste tu auras le poison, il va Oh là mousquetaire. là, il est problème le mousquetaire! Oh, ouais, il est parfait, hein. Il est magique ce poison, parfait. Donc là, il te remet une boule de neige, mais. Et là, tu sors. Mais quel farceur! Mais c'est comme Avec ce ça, deck, toi. faut. C'est beaucoup de grattage de golem et de poison parce que tu vois, tu cycles vite les poisons et tu vas pas passer sur vraiment des gros push parce que t'as pas grand chose. Enfin, t'as méga garouille et sorcière de la nuit, c'est pas comme les gros push Ouais, où le ouais. golem s'en sort. Ou Avec du bûcheron, hein. Ouais. voilà, c'est. Carrément, Donc c'est je ça. vois l'idée. Ouais. Bon, là, du coup, tu regrattes un peu au golemite. Et t'es à portée de deux poisons. Quand c'est comme ça, tu dis que t'arrêtes de poser des golems et tu fais des cycles poison ou pas? Là, souvent, ouais, je fais souvent ça. Ok. Après, ça dépend contre quoi je joue, mais la plupart du temps, ouais. Bah là, c'est ce que tu vas faire là, non? Je te sens poser un poison là. Ouais, Poison. Et là, après, j'ai juste à défendre. c'est. Bah ouais, en plus, t'as la cage goblin, t'as quand même pas mal d'options défensives. Hein. Là, t'as la MG, l'Electro Wizard que tu vas poser sur mon dessus. Tu vas voir, là, il va bien gérer le push. Hein. Wouah! Il va bien gratter. Un coup de cochon quand même. Ouais, c'est bon. Tu devrais Ouais. finir avant lui, quoi qu'il arrive. Faut pas te prendre de coup de mortar Voilà. si on pose un. Regarde, tu vas au moyen. Nickel. Ok. C'était chaud, hein. Dans deux Ouais, secondes, t'étais mort. nickel. Hein. Alors, ici, tu es contre Gyoli YouTube 10, qui joue du cochon royaux, j'imagine. Cochon royaux, c'est ça.
Alors, ce match-up, tu vas faire quoi? Bah, pareil, en x1, j'imagine, tu vas plutôt tempo. C'est ça. En plus, sur ce match-up, enfin, je pense que c'est lui aussi qui a le match-up parce que les barbares, je peux pas gérer, ils baitent son poison. Ouais, Je vais faire t'as deux. pas genre le prince ténébreux ici pour aller gérer ça. Et faut plutôt. Enfin, là, je vais être plutôt agressif sur cette game pour éviter qu'il pose les cochons royaux à chaque fois. Ok. Il va mettre un peu, je pense, en royaux, il va avoir des dégâts, tu Bah là il va vois. cochon à gauche et tu vas golem quand même à droite. Ou pas. Ah oh, il va cochon à gauche là. Ah non il le fait pas. Là, il défend, mais il préfère défendre. Ok. Je comprends pas hein. Perso j'aurais envoyé des cochons royaux quand même. Hein. Bah après, je pense qu'il aurait galéré niveau. Je pense qu'il aurait perdu la tour aussi. Ouais mais si t'as juste les barbares t'as pas besoin de plus hein. Ouais je sais pas. Waouh le poison offensif qui est posé. Et du coup tu rentres des bons dégâts hein, alors que lui il a pas pu te toucher Bien hein. joué. T'as vu ça? J'ai Oh! bien gratté. Oh là là. Oh putain. Ah oui t'as plus que bien gratté. Tu remets une MG haute mais je suis pas sûr que ça suffise hein. Il fallait la mettre un peu plus haute. Ouais. Ouais, parce que je pensais en vrai que les chauves-souris elles allaient assez gratter et je les posais trop. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Hein. Tu prends 320 dégâts. On n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. Donc Ouais. là, il a toujours ses cochons royaux en main. Toi, tu sais hein, à ce moment-là que c'est un deck cochon royaux. Tu vas re-up la cache gobine, je pense. Ouais. Et là, en fait, j'ai fait une erreur, je l'ai posé un peu trop haute. Du coup, j'ai essayé de la défendre. Ouais. Et puis, t'as plus la MG en main, donc. Et là aussi, il va défendre. Oh! Ah ouais! Ah bah ouais! Oh là là, la galère! Oh, mais non, la galère! Il va mourir, Lewis, en plus. Il le tuera pas. Hein. Mais ça va encore. Là, tu vois, il va mettre un peu, je suis assez cher. En vrai, il mettait les cochons arrière à droite, t'étais plus dans le mal que ça. Hein. C'est ça. Je sais pas pourquoi il les a mis de ce côté. Tant mieux, hein, tant En mieux. plus, ouais, voilà ton. Là, tu regolèmes devant ou pas? Genre comme un bourrin? Non, tu fais pas 5. Là, je vais tempo, je. T'aurais pu. Ouais, le poison. Après, à gauche, t'avais pas fait de dégâts, donc je comprends que t'es pas poison. T'as vu, j'essaie. Là, tu vois, il envoie les choses. Il Ouais. dit, il va push. Du coup, j'agresse directement mon golem bas droite. Du coup, je suis. T'es tellement agressif avec tes golems, c'est ouf. Bah, en vrai, ouais, sur ça, vaut mieux parce que sinon, à peu près, face aux cochons royaux, si les poses, c'est cher. Ouais, non mais je comprends, hein. Je comprends que t'aies pas envie de. T'as envie de mettre le tempo et pas que ce soit lui. Et là, tu vas quand même prendre la tour. Hein. Allez! Le poison, encore une fois, il a fait une value, elle était magnifique. Hein. Ouais, le poison, il est vraiment bien dans ce deck. Je suis les cycles vides. Ouais, mais clairement, je pense que ce deck rentrerait beaucoup moins bien la foudre que Ah d'autres oui, non, c'est versions. sûr. Pas contre les molosses clones, les cimetières, tu. Carrément. Ouais, hein, ça te rajoute une option. Ouais, contrôle, value, etc. Enfin, qui est vraiment très intéressante. Ouais. Alors, ici, tu es contre. Ah, bah voilà, du spam bridge. Ça, c'est un match-up sympa, du coup. Hein. On est d'accord. Parce que il a PK, il a PK. Oui, mais c'est pas grave, t'as les Ah squelettes. oui. Ouais, T'as. mais après, c'est là, c'est pour passer, c'est assez galère, mais tu vas voir. Bon, ça. Mais au début, tu vas voir, je vais. La chance, il avait pas le PK en Il main. joue pas? Parce que là, je. Non, enfin, je sais pas, il fait quoi. Là, de golem. Parce que je me suis dit, il va pas poison défensif, il va mettre PK. T'as de la Il aura chance pas qu'il ait mis pas PK, PK en finalement. main quand même. Hein. Ouais. Bon, là, t'as vu, je vais laisser gratter la voleuse. Et là, ouais, j'ai de la chance qu'il ait pas le PK. Mais même s'il aurait eu PK, j'aurais. Enfin, le PK, il se fait souvent des pops par la sorcière de la nuit, tu verras. Ouais, il y a un monde, il a PK poison en main, il te contre-pêche, t'as perdu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je vois, il a plus trop d'élixir, du coup, je force. Et là, ce qui est bien dans le match-up aussi, tu verras les petits squelettes qui sont vraiment très forts contre la voleuse. Ouais, ils Et sont les très très défenses, forts. ça va être bien. C'est vraiment une grosse plus-value hein, de les avoir contre un archétype PK. C'est ça. Et contre la voleuse aussi, tu vois, les voleuses, je vais. Là, Ouais. tout le long de la game, je vais toutes les défendre. Ouais, tu les mets au milieu et puis il a pas le zap, il a le fuite barbare donc. Pac, 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 parfait. Ouais. Là, il Cache force. Goblin. Nickel. Ça, c'est bien hein, quand t'as les options en main pour défendre ce qu'il a. Un petit coup l'enfilon. C'est les patates qu'il met. Pour ça. Et c'est pour ça contre le PK, ce deck il est mieux, je trouve, ce golem. Ok, voilà, bah, tu peux repartir en. Ouais, je pense que tu vas repartir en push quand même. Hein. Je te C'est ça. sens. Je te sens partir en golem là. Ouais. Alors, tu vas voir la sorcière de la nuit comment elle dépote. Parce que sinon, là, Ouais. en fois, ce qui est bien, c'est que tu peux golem parce qu'il va PK et il va pas pouvoir poison défensif. Du coup, la sorcière de la nuit, elle est. Ouais. Bah là, il a Même fait le pas choix de PK. mettre un Electro Wizard sur le map. C'est ça qui t'a permis de. Ah, Ouh mais là, là là, ouais, c'est bon, la voleuse, c'est parfait.
Ah, il zappe, hein. Si, il la zappe quand même, ok. J'ai pas fait gaffe. Mais ça fait. Je trouve que c'est cher, ça fait 5 pour 1. Ouais, c'est vrai que c'est 5 pour 1 pour mettre 160 dégâts. Bon. Ça. C'est assez cher, mais. Carrément, c'est très très cher. Ce qui t'a permis de prendre la tour à droite parce que du coup il a investi plus à gauche aussi. Ouais. Tu peux ensorceler Mais la tu nuit à vois, les droite? golems. Ah non, tu repars en golem à gauche. Mais ouais, faut mettre là, il faut mettre la grève. Bon après, t'as tellement d'options défensives, il y a un moment dans lequel tu. Il te passe pas, Oui, hein. je pourrais défendre. Mais bon. Elle est là, tu vois. Je Ouais, sais, je là, préfère. Avec ce deck, tu verras, les P.K. vont mieux les agresser en x1 parce qu'il peut pas poser en défensif, sortir de la nuit. D'ailleurs, elle fait moins le taf. Alors qu'en x2, il poison défensif P.K. Son golem, il passe jamais. Tout ce qu'il y a derrière, c'est. ouais, Bon, je connais moins cette version-là, mais en golem, c'est quand même rarement conseillé de partir en golem en x1 contre Ouais, P.K. je sais. Mais après, là, t'as beaucoup de choses défensives. Hein. C'est vraiment. C'est vrai, t'as C'est quand même pas un beaucoup. golem. Ouais. Puis c'est un golem grattage. C'est pas un golem où tu vas mettre des gros push pour passer, quoi. Notamment le fait que t'es les petits squelettes hein, pour la voleuse, ça permet de faire des values défensives. Oui. Hein. Ouais. Il joue quoi? Ah ben c'est du GR? Non, PK, PK. PK, ok, PK. PK avec bûcheron. C'est ça, ouais. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas une version super sympa pour toi ça du coup. Bah en vrai, il a pas de poison en défense, mais après ouais, le foudre fait très mal. Bah Et ouais, foudre elle fait mal, bûcheron il est relou, enfin t'as rien pour réellement tomber le bûcheron non plus. c'est ça. Et après, il a beaucoup de d'options défensives. Carrément. C'est ça. Et il rate le feed barbare. Et moi ça m'arrive assez souvent encore de le rater aussi. Hein. Ouais, le feudre barbare, en vrai, il est chaud à timer maintenant. Enfin, ça c'est galère. Enfin en fait le problème c'est le gobelin félon, il va tellement vite que. C'est un sprinter, hein. Clairement. Hein. Ouais, mais le gobelin félon, Il quoi, excuse-moi, on n'a pas bien entendu. il va prendre un nerf parce qu'il est vraiment trop fort. Ah, je sais pas. Tu connais, toi, là. Moi je connais, ouais. Ok, donc PK, PK à gauche. Ouais. Là, tu vas voir, les battes, elles vont faire le taf. Ouais, carrément, ouais. Les bêtes, elles ont bien fait le taf. Hein. Et du coup, au final, t'as réussi à mettre des bons dégâts. Lui, il a 5 d'élixir, donc il va pas vraiment pouvoir te punir. En cas de Ram Rider, tu vas juste défendre Cash Goblin, j'imagine. Bah, ça dépend, soit je mets une cage goblin, soit je mets un électro. Ok. Ça Parce que marche. l'électro aussi, des fois. Là, tu vas voir, il va mettre un push. Yes. Il force un peu là, quand même. Hein. Bon, il va collecter 440, mais derrière, il va devoir remettre de l'élixir pour gérer ton push. Et s'il claque trop l'élixir, tu vas pouvoir partir en golem fond de map. Genre là t'as 5 d'avance quand on est ici. Hein. Alors je sais pas si tu vas décider de golem. Oh oui, reboule les neiges, t'as 8 d'avance. Mais c'est un grand malade hein. C'est pas de rien. Ok. Bah là, généralement, à partir de ce moment où t'as 7 d'avance sur le terrain qui est concrétisé dans un golem, ça se passe bien. Hein. Par contre, il va pouvoir faire une belle foudre ici. Hein. Et tu vas voir pourquoi l'électro je l'aime bien aussi parce que Parce que. J'ai pas pu entendre, je te laisse me redire. attends en gros je disais l'électro je l'aime bien en attaque parce que il ralentit le PK face Oui, au golem d'accord, du ouais. coup Ce qui te permet de connecter plus de coups de golem. Hein, c'est ça. exactement, C'est ouais, ça, c'est c'est ça. sûr. C'est sûr. Après, ici, je pense, quand tu sais qu'il y a foudre en face, il vaut mieux quand même attendre et délayer les troupes de support. Hein. Enfin, moi en tout cas, je Oui. donne rarement de la value foudre. Alors, des fois, j'attends un peu trop, du coup, mais. Je sais pas si tu vois ce que Mais je veux tu vois, dire. là, tu vois, il m'a mis un beau foot. Ouais, carrément. Après, t'as la portée de deux poisons, hein, donc à tout moment, tu peux faire comme tu voulais faire tout à l'heure, du poison cycle. Ça. Genre là, il te donne un Du coup, ça, électro-wizard. c'est ça, bah, j'ai. Ah, bah, tu golem cash, ok. T'es comme ça, Bah, toi. là, j'ai golem parce que. Bah, tu vois, mon poison, il va prendre de la value, quoi. Il va devoir défendre le golem, Ouais. sinon, il va perdre. Ouais, je comprends. Et voilà. Après, il y a un moment dans lequel tu mettais juste poison sur Lewis, qu'il avait mis fond de map et tu recyclais. Bon, ça Oui revenait au aussi. même, quoi. Là, ça va passer, hein, de toute façon. Je Faut défendre ça, mais pareil, l'Electro Wizard. En fait, t'as deux très bonnes options sur la Ram Rider. T'as l'Electro Wizard et t'as la Cash Goblin. Ce sont deux C'est des meilleures ça. cartes pour la défendre. Oh là, c'est propre. C'est pour ça contre les PK.
C'est tu galères beaucoup avec avec. C'est ça Ouais. qui est. Ouais, c'est propre, hein. Franchement. C'est du bon match. Hein. Il a pas touché le jeu, Ryuki. Hein. Bon, il aimait bien mettre de l'élixir défensivement, mais après. On est parti sur un petit peu de live, du coup, je te laisse quitter le vocal et je vais commenter pendant ce temps-là, comme ça tu pourras être tranquille avec ta connexion et tout. Pas de soucis, Naxi. Et on est reparti, Zozo, en jeu! Le premier live, la première partie qui est en live. Dawn 1, Dawn by Law. Alors, on attend évidemment, hein, Zozo a un golem, et les golems, on attend, on est passif quand on joue golem. Alors, faut être prêt, hein. Vraiment, c'est pas un archétype qui est donné à tout le monde. Principalement à cause de ça. Alors, désolé, hein, je suis en train de remettre des câbles. Il faut être très très patient. Il faut être très patient, et des fois, il y en a. Voilà, on peut ne pas avoir envie d'attendre 2 minutes en fait, hein, et ce que je comprends tout à fait, parce que des fois, c'est un peu relou d'attendre. Alors, la sorcière de la nuit qui va aller sur le bourreau, en face du bourreau de l'électro-wizard. Ok. Ok, what is that deck? Ok. Oulala, comment tu défends ça? Comment il défend ça? C'est la tour là, comment il peut défendre ça? Il peut pas, hein. Il peut pas défendre, on est d'accord. On est d'accord, il peut pas défendre, il peut qu'accepter de perdre 30 000 bâtiments là. Le ballon qui va aller mettre une deuxième coup de bombe sur la tour. Oh! Et qui va faire mal, on défend à la Valkyrie, la défense est parfaite en face. Et Zozo est en PLS. Et on est reparti pour la seconde game. M Nova One Rocket. Alors Zozo là est en forme. Zozo est plus qu'au chaud. Il est bouillant. Simplement il est bouillant. Il est grave vénère. Il a envie. Il a envie d'en découvrir. Il engage le jeu en golem. Voilà. Ça c'est Zozo, un joueur golem très agressif. Hein, vous avez pu le voir. Les bats qui sont utilisés qui vont évidemment tomber. Et derrière on va avoir la création d'une magnifique créature, le gobelin félon. Et là, par contre, il va mourir. Donc il est contre soit du Molosse clone. Bon, c'est du Molosse Clone, ok, il est contre le Molosse Clone. Alors, il a dit que c'était un bon match-up, alors on va voir comment Zozo se débrouille contre un Molosse Clone. Idéalement, par contre, on veut mieux partir sur la même lane. Hein. Là, du coup, le joueur Molosse Clone joue un jeu intensif, vraiment très beau, qui consiste à envoyer toutes les cartes à droite et de voir comment ça se passe. L'AMG qui va chercher la machine volante, très bien joué de la part de Zozo. Bon, par contre, du coup, oh, il arrive à temps pour un peu avec la cage goblin, mais il y a les bats et là on va se prendre un premier clone normalement. Hein, genre, Molosse clone, il faut qu'il clone. Et Zozo, il est en train de prendre le bâtiment là. All your bases belong to us. What? Mais Zozo, il prend le bâtiment là. Zozo, il est chaud. Zozo, il est beaucoup trop chaud. Regardez-moi cette magnifique gestion du jeu. Ce match incroyablement bien géré par Zozo. Vraiment, du gros niveau de jeu. Ça, c'est du Clash Royale comme on l'aime. Ça joue parfaitement. Ça ne pose pas de carte sur la lane opposée. Le Molosse Clone a tout compris. Jamais tu vas défendre. Tu t'en fous. Tu poses tout sur la même lane et tu regardes et tu pries et t'espères que ça passe. C'est papier, ciseaux. Feuille, pierre, papier, ciseaux. Exactement. Ça, c'est du beau jeu. Et on est parti. Blair. Blair du clan Ninja. TV, nanana. Fuite barbare à droite. Défendu par un fuite barbare. Ok. Jusque-là, on est sur quelque chose d'assez sympa. Zouzou part direct en golem. Parce qu'on sait. En Nightwitch, en tout cas. Oh, bah, il va un golem devant là. Par contre, il y a Molosse. Si Molosse même lane. Si Molosse même lane, tous les jours, il golem devant. Ça, c'est un bon play par contre. Alors, quelle est la version que nous joue Blair? Est-ce qu'il y a de l'infernal dans cette deck? Et bah voilà, un infernal! Et comment il le gère, Zozo? Et bah il le gère pas! Il peut pas! Ah si, il a quand même un électrolyseur qui connecte? Waouh! Ok. Au top pour moi. Je connais pas assez bien encore l'électrolyseur. Mais bah, voilà, comme quoi j'apprends. Hein. J'apprends également. Électrolyseur qui va faire un travail démentiel. Oh là 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 là. En fait, il aurait mis l'infernal plus bas, il était safe. Il s'attendait sûrement pas à avoir un électro dans la main de Zozo. Mais alors, du coup, Zozo il a mis 3 000 dégâts, juste, enfin 2 000, juste parce qu'en fait il a un électro dans la main. Mais c'est hallucinant! Zozo est beaucoup trop chaud. Oh là là. Ok. 400 HP sur la tour. Zozo est complètement full. Enfà, il a perdu 50 HP et 100 HP sur la tour. Allez, 100 HP, grosse estimation. Molosse qui a remis fond de map en face. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, là, sur cette version de la part de Zozo, il faut vraiment pas hésiter dans les matchups contre Molosse à partir en sorcière de la nuit, golem sur la ligne du Molosse. Mais c'est toujours le cas. Hein. Quand vous avez sorcière de la nuit, golem, faut pas hésiter. L'Electro Wizard, il a réussi à le mettre suffisamment haut pour ne pas se faire reset par l'Infernal et ça, c'était vraiment super propre. On est toujours en x1, donc là, on devrait réussir à défendre relativement bien avec les bats.
bats. Le principal, c'est d'avoir les bats qui sont dans votre camp, qui vont permettre de défendre en face. Je vous ferai les vidéos plus explicatives, hein, évidemment, sur le golem, réellement détaillé dans le détail pur et dur. Là, dans tous les cas, il y a les golemites qui vont connecter, il a les petites bats, il devrait réussir à prendre la tour. Il faut qu'il remette un peu de trucs en défense, par contre. Hein. Là, là, en face, les petits rookies qui vont faire mal à Electro, mais Electro qui va quand même bien défendre. Allez, tu le dernier rookie. Ça va, on aura plus que 1000 HP sur la tour. Il va pouvoir repartir en sorcière la nuit, golem sur la même lane, et espérer de réussir à défendre un... Il joue pas comme moi, Zozo. Il joue pas comme moi. Zozo, il laisse tourner la tour de droite et il part en golem à gauche. Zozo, il est agressif. Zozo, c'est quelqu'un qui a faim. Allez, voyons voir comment ça va se passer pour Zozo avec ce play-là. Et Infernal qui est remis à gauche, donc il va sûrement accompagné par un Electro, mais il peut pas vraiment. Ok, Cache Goblin pour tempo, mais ça suffira pas. Electro qui est là, mais un peu tard. Hein. Du coup, forcément, on a utilisé nos options défensives à droite. On a toujours la MG pour aller défendre, les petits squelettes également. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pour l'instant, il défend. Pour l'instant, c'est propre. Allez, allez, tu défends. 14 secondes, ça devrait bien se passer. La MG qui va tomber, ça va être short. Ça va être short, mais ça va le faire. Ça va le faire. On a le fut barbare également. Zozo qui avait permis de défendre. Allez, 64. Même s'il collecte le milliard, c'est bien défendu avec les squelettes. Et la victoire de Zozo. Bon, en fait, s'il aurait parti en golem à droite, il défendait encore mieux. Clairement, je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même bien passé pour lui. GG à Zozo. Alors, Vank 9 de Sylvanas Legend. On est à 8, 9 d'élixir. Tranquillement, les choses se passent. On attend. Voleuse ? Cache Goblin. C'était pas calculé ça. Clairement, il voulait défendre justement au squelette, hein, la petite voleuse. La voleuse qui va mettre deux coups ici sur la tour. 160, 162 fois. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein, mais puisqu'il y a la Cache Goblin qui est ici, évidemment, il pouvait pas la défendre. Oulala ! Oulala, c'est quoi ça ? C'est quoi ce deck ? Ok. Le goblin fait, il s'en fout. Il frappe le rascal là. Bim. Alors, on a le fut barbare dans la main de... Ah, mais il peut effectivement golem s'il le veut également. Par contre, il peut pas défendre à gauche. Hein. Donc, il accepte les dégâts du fut s'il veut golem à droite. Ce qu'il accepte de faire. Zozo, il aime bien partir en gros push golem. Hein. Donc c'est ce qu'il fait. Voyons voir comment l'adversaire va réussir à défendre. Donc là, on charrette à canon. Ok, charrette à canon, charrette à canon. Ça suffira pas. Poison qui est mis offensivement pour Zozo qui va surtout permettre d'empêcher de mettre d'autres cartes pour défendre le golem. La Nightwitch qui va laisser faire les dégâts. À gauche par contre ça va bourrir. Il faut réussir à défendre. On a la Cache Goblin. Cache Goblin, Fuite Barbare. Non, le Fuite Barbare un peu raté mais c'est pas grave. On a les squelettes qui font le gros travail du gros... Oh la vache. Ça marche bien. Hein. Zozo il est super agressif mais qu'est-ce que ça marche bien. Impressionnant. Regardez tous les dégâts qu'il met sur le roi. Il a déjà mis le roi à 1800 HP. What the fuck. Ok. Donc contre la version bait, charrette à canon, Zozo enfonce la partie quoi. Alors il a plus le fil barbare par contre, il va devoir galérer un peu plus à défendre, il va remettre une sorcière de la nuit, on se fait connecter par les petits gobelins, on a le gobelin filon qui défend un peu, mais ça suffira pas, l'électro-wizard du suicide. L'électro-wizard du suicide qui passe, hein, évidemment, quel beau gosse l'électro-wizard du suicide. En face, charrette à canon défensive, bon après il n'y a pas beaucoup d'élixir pour aller accompagner, donc Zozo devrait réussir à la défendre, soit avec une MG haute, soit avec autre chose, une cache goblin de nouveau peut-être s'il l'a récupéré, et squelette, non, non, il a rien, oh, déco, est-ce qu'il y a un bug de déco là-dessus, c'est bizarre, honnêtement c'est bizarre hein, ce qu'il a fait Zozo, il va se prendre quelques gros dégâts sur son roi du coup, faut qu'il reparte en pêche, hein. Faut qu'il repart à gauche, à droite pardon, du coup l'adversaire va tout tenter pour prendre le bâtiment à gauche évidemment, il renvoie un fût, il faut réussir à défendre ce fût, on a quoi, on a les squelettes, on a rien d'autre, on a Electro-Wizard, ok. Ok. Bon attends, il va falloir recycler une sorcière la nuit à droite sur le golem, là voilà. C'est parfait. On a le fut barbare qui est revenu hein, défensivement, donc on va pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Il faut rebloquer. Hein. On bloque à la Cache Goblin, c'est parfait. Hein. La Cache Goblin qui va faire du gros travail. Regardez-moi la puissance de cette carte. La MG également qui va permettre de bien défendre. On se fait un peu connecter par la voleuse, mais c'est pas très grave, parce que l'adversaire va devoir défendre et ça va être compliqué pour lui. On peut repoison offensif ici pour chercher les petites fripones. Hein. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Le poison qui va également gratter sur atout. On repart en Nightwitch et là Zozo il va prendre la victoire. Zozo est tellement chaud! Oh là là, Zozo, mais quel joueur agressif. Zozo, c'est un joueur 3 couronnes. Il a pas le temps, Zozo. C'est une grosse brute. Pareil, hein, le niveau de jeu de Zozo, dans les commentaires, le niveau de jeu de Zozo, hein, tout de suite, de 0 à 10, le niveau de jeu de Zozo. Et le retour de Zozo sur le vocal. Allô. Yo, Zozo. Bah alors, du moins, qu'est-ce que c'était que l'exé ballon. On aime ce match-up ou pas, Angolais Poison. À quel point t'as kiffé le premier match? Bah le premier match, ouais, il m'a fait un peu rager, faut dire. Et sinon, ouais, donc sinon, ce que je trouvais, c'est que tu es très... je te l'ai déjà dit, hein, mais tu es très agressif en golem. Et c'est bien passé hein, pour toi, clairement. C'était impressionnant. Hein. Genre là, contre le bait, tu te dis, non, non, je m'en fiche, je pars en golem. Tu envoies tout ce que tu veux, je m'en fiche, je pars en golem.
Et tu l'as pris la tour direct, c'était ouf. Que le mec il met de la pression quand tu poses ton golem, tu préfères laisser comme ça, bah il peut pas défendre le push. Ouais, clairement. Bah, en fait, si tu pars en sorcière de la nuit comme ça, c'est vrai que. Bah, en fait, t'as le choix. Hein. C'est soit tu pars en défense, mais dans ce cas-là, tu golems pas. Soit tu golems et tu ignores les dégâts. Et après, ça dépend vraiment de ce qu'il est capable de te mettre. Mais ici, au final, il t'a mis qu'un fût, donc c'était pas trop mal. C'est ça, puis le deck je le connaissais, donc je savais il pouvait pas mettre un énorme push, il allait me prendre les trois couronnes quoi, donc Ouais, carrément. puis il y avait de quoi défendre. Et la cache goblin, elle a fait tellement le travail aussi pour défendre la charrette à canon et tout à gauche, c'était ouf. Ouais, elle est vraiment forte la cage goblin, c'est vrai que Elle est elle est incroyable, vraiment hein. forte. Voilà. Et contre Mola, je me suis demandé pourquoi t'es pas reparti sur la même lane et tu t'es parti sur la lane après une fois que t'avais déjà tué sa tour. Contre le Molosse, Ouais. bah je sais pas en vrai. Ok. Parce que moi, en fait, je pars toujours même lane que le Molosse quand j'ai sorti la nuit en main, en tout cas. Et même tout le temps, Mais je crois. Mais... tu veux dire quand j'avais pris la tour et qu'elle est venue de mon Ouais. côté, c'est ça? Ouais. Ah, bah parce que je me suis dit qu'il fallait défendre, donc enfin qu'il allait défendre, donc autant partir sur l'autre côté, quoi. Puis j'avais de quoi défendre. Enfin après, ouais, c'est vrai, je sais pas. C'était peut-être une erreur de ma part, mais bon. Ouais, bah après, tant que t'as tenu, c'est bon, hein, t'as réussi à bien défendre. Tes défenses, elles étaient clean, hein, parce que j'imaginais pas que t'arrives à défendre la tour quand t'es comme ça. Ouais, mais sur le Molosse, ce qui m'a aidé au début, c'est Electro. C'est pour ça Electro, je l'aime bien, t'as vu, grâce au Ouais. Lord de l'Enfer. Oh, il était ouf, hein. Moi, je pensais pas que t'arriverais à connecter aussi loin, je connais pas assez bien Electro Wizard. J'étais en mode, ah bah si. Bah oui. Mais t'as clairement pris la tour là-dessus, hein. C'est juste C'est cet ça, Electro, ouais. quoi. C'était ouf, quoi. Plutôt fort. Et Sauf que. moi mon match préféré ça reste le Molosse Clone parce que il a fait l'effort de pas poser de carte sur l'autre lane et ça c'était propre. Ouais, mais Molosse Clone, il peut quasiment rien faire, dis-toi. Enfin, c'est impossible pour lui de passer. Mais c'est trop marrant parce qu'il a pas fait l'effort de poser une seule carte sur ta lane quoi. Non Bah, ouais. J'ai pas compris en plus. Je pensais qu'il allait défendre, mais non, il est parti non défendre il en dit non non moi je joue Molosse Clone hein, c'est moi qui plus. attaque hein. Ok mec bah vas-y c'est pas grave. C'était bien marrant en tout cas. Bah, merci beaucoup Zozo. J'espère évidemment que vous avez kiffé, hein, que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bah, je vous souhaite une excellente journée. Et bah bonne journée.